tous les amis, c'est Beau Jumper, j'espère que vous avez bien écouté, moi ça me donne nickel que d'habitude. Aujourd'hui, les amis, après de nombreuses demandes, j'ai l'honneur de vous dire qu'on se retrouve, non pas pour une map puzzle, non pas pour une map parcours, ou alors plus ou moins, parce que bon, éviter un petit peu les flammes, sauter au-dessus de la lave, c'est un petit peu du parcours, car oui, les amis, en parlant de flammes, je vous le mets dans le mille, car effectivement, on se retrouve pour une nouvelle map Burning House. Ça faisait longtemps, les amis, qu'on n'avait pas fait une map Burning House, et j'avais reçu tellement de demandes, ça vous avait manqué, hein, de pas voir un Furious complètement cramé, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les amis, donc je vous mets quand même un petit résumé au cas où vous ne connaissez pas l'objectif du Burning House. En gros, vous arrivez dans une maison, elle prend feu, vous devez rester le plus longtemps en vie. Voilà, hein, c'est génial, moi j'adore. Moi j'adore, voilà. Donc les amis, cette map a été créée par, Titan of Fire, tiens comme par hasard. Le mec s'appelle le titan du feu, quoi. Non, mais... On dirait Deadpool. Non, on dirait pas Deadpool en mode Père Noël. Enfin, bon, sauf que normalement, ça aurait dû être rouge, mais... mais bon, c'est pas vert, hein. Mais bon, ouais, c'est pour un petit peu l'aspect, Noël, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bon, écrit par aussi également Neverrender. Voilà. Donc, on dirait Genji de... Ah, oui, c'est vrai que la tête ne marche pas du tout. On dirait Genji de Overwatch. Bon, bah, écoutez, alors, les amis, donc, il y a 4 niveaux, hein, donc c'est vraiment génial ici. Il y a le Game Mode Survival, oh, le Have Swag, Feu Jumper, tu es Swag. Oh, et la Night Vision si on a vraiment besoin. Non, je n'ai pas besoin de Night Vision. Et qu'est-ce qu'on a là? Get Food. Oh, de la nourriture. Ah oui, j'en veux plein. Oh, je veux plein de nourriture. Oh, j'en veux beaucoup. Donc, comme vous l'avez compris, on a 4 épreuves à réaliser. Vous pourrez aussi également tester les amis cette map et me dire votre record à chaque niveau. Voyons voir, hein, si vous tenez plus longtemps que moi ou pas du tout. Alors, je prends le max de bouffe. Hein. Je veux pas être embêté, tu vois, tout le long de la map. C'est bon, voilà, 60, ça devrait aller. Donc, on va commencer par le level 4. Non, je déconne, le level 1. Attention, c'est parti. Alors, wow. Turn around. Ok. Oh, c'est quoi le... C'est quoi? Waouh. Donc, attends, on a quoi, là? On a... Patrick? Est-ce que ce serait Patrick de Bob l'éponge? Oui, je crois que c'est Spider-Man. Oh, et là-bas, c'est... Un McDonald's! Waouh, c'est génial. Alors, il y a 4 niveaux, mais je vois... C'est quoi le quatrième, en fait? Oh, ça a l'air... Il y a l'air d'avoir un truc, là-bas. On peut... Oh! Ok, non, mais moi qui croyais qu'il y avait un bloc invisible. Oh! C'est un villageois! D'accord! Alors, go there! Batman, Hulk, Captain America, Spider-Man, Superman, Iron Man, Thor. Oh, on peut prendre des costumes? Oh ouais, je veux être Iron Man. J'adore Batman aussi, donc fais voir Batman, c'était quoi? Oh, c'est Batman, par contre, c'était pas la tête de Batman. Ah si, oh, trop stylé. Oh, trop stylé. Alors attention, donc attends, il faut que je clique là-dessus. Oh, je suis dans Spider-Man. Oh, génial. Bon, attention. Donc, start the lava. D'accord, très bien. Alors, ce que je vais faire... Voilà, j'ai baissé quand même, hein, le render distance, hein, parce que... Vous l'avez pas vu, vous avez vu cette ellipse incroyable. attention. À la une, à la deux, à la trois. C'est parti. Voilà, j'ai mis mon petit chrono personnel à ma gauche. Alors, attention. On va se balader un petit peu. Donc, Spider-Man, hein, on va découvrir... Oh, oui, ah, effectivement, d'accord, je comprends pourquoi. Oh, web-slinger. D'accord, je comprends mieux pourquoi un Spider-Man il peut lancer des toiles d'araignée à l'infini. Regardez, c'était ses bras peut-être. Il y a plein de toiles d'araignée dans ses bras. Et c'est pas bon pour vous, monsieur Spider-Man, hein. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Le Spider Minion Ace. Oh, sympa comme petite attaque. Alors par contre, je sais pas du tout. Oh, Docteur Autobus. What the fuck? Jambe droite, jambe gauche. Ah oui, d'accord, oui, on s'en rend pas. Attends, on peut aller dedans. You can kill each over here. Ah non! Ah non, non, je veux pas être dans la jambe, moi! Oh, normalement, je n'ai pas le droit de péter les blocs. Ah ouais, mais non! Ah, je veux... Ah non, je veux sortir de là! Oh non, me dis pas que je vais rester coincé dans Spider-Man comme ça, là! Ah bah ouais, si. Attends, je sais même pas... Est-ce qu'au moins, ça prend feu? Attends, je veux juste voir si ça prend feu. Après, je retourne dans la jambe, je vous le promets. Non, parce qu'on sait pas du tout si ça fonctionne. Ah, c'est... Ouh, là, oui, ça a l'air de bien marcher. Oui, mais en fait, je suis bien content d'être dans la jambe. Ouais. Ouais, ça me plaît bien, ouais. J'aime beaucoup cette idée. C'est une très bonne idée, hein, docteur. Alors, attends. You can kill each other here if you want. Ouais, non, mais tu peux... D'accord, non, mais je suis bien d'accord, mais... Attends, mais comment je sors de là? Non, mais il n'y a aucun moyen de sortir. Et là, il y avait quoi? Ah non, je suis vraiment Keblo. Oh, je suis Keblo dans la jambe. Oh non, il est en train de prendre feu. Ben, dans un sens, c'est bien parce que... Hey, je suis au meilleur des spots.
Mais là, je me suis fait bloquer dans la jambe de Spider-Man. Ah, mais là, c'est... Et là, il y a un bleu... Et attends, on va mettre une toile d'araignée. Comme ça... hein, on va remplacer le truc. Par contre, j'entends les flammes de l'enfer qui arrivent, ça me... Hein? Ça me chagrine un petit peu, tout ça. Non, mais j'ai pas envie de mourir dans une jambe de... Hein, dans un collant de Spider-Man, hein, c'est mort. C'est hors de question. Je ne suis pas d'accord. Ah non, tout à fait, non. Ah, je... C'est mort. Ah non, mais est-ce que... Non, mais attends, je vais quand même pas mourir. Non, mais tu déconnes. Non, mais attends, je vais pas mourir dans la jambe. Alors, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, mais par contre, what the fuck. Ah, là, je suis complètement bloqué. Alors, est-ce que, moi, ça brûle correctement? Attendez, on va voir. On posera la laine, ne vous inquiétez pas. Je veux quand même admirer. Ouah! Bon, ça me plaît pas, ça. Bon, ça me plaît pas du tout, ça. Ouah, l'autre jambe a eu moins de chance que celle-là. J'ai eu de la chance. Et vous avez vu un peu plus, c'est je cliquais sur le bouton pour aller dans l'autre jambe. Ah ouais, un peu plus, c'était la loose. Ah, c'est... Et je connais pas du tout la map, hein, j'ai découvert avec vous, donc me dites pas, ouais, mais Furious, vous connaissez la map? Non. Nya, c'est un mensonge. Je connaissais pas la map, je te jure. Hein, tu vois bien, je savais même pas ce que ça faisait, ce truc-là. Bon, c'est pas grave, au moins, on peut admirer un petit peu les flammes de l'enfer. Alors, au moins, ça se trouve, je vais être dans une jambe qui ne va jamais cramer et je vais rester là une demi-heure. Non, mais imagine le truc, imagine quoi, non, mais... bon, bah écoutez, moi, j'étais bien. Ah, j'ai bien aimé cette visite de Spider-Man. Par contre, si on me dit de retourner dans une jambe, j'y retournerai pas. Ah non, sauf si, peut-être si je veux survivre. Ça brûle ou ça brûle pas, en fait? Je crois que ça brûle. Tu vois, un petit peu, on peut regarder un F5. Ah non, ça brûle pas du tout. Ça brûle pas du tout, les amis. Ça brûle pas. Non, mais en vrai, je te jure... C'est... Ah si, ça y est, ça commence à brûler, là. Ah, ça sent... Ça sent le collant cramé, là. Hein. Ah oui, ça sent la toile d'araignée qui brûle. Ah oui. Oh la lave. Oh, ça brûle, ça. Waouh. Mais non, mais j'ai eu trop de chance. J'ai eu trop de chance, en vrai. Je suis... Oh, ça brûle, là. Oh, j'ai pas vu, ça. Attends, Iron Man ne peut pas mourir. C'est pas possible. Les gens ont besoin de moi. Attends. Bon, tu sais quoi, on va rester dans... On va s'enfermer. Ah, on était très bien là-dedans. Hein. Voilà, comme ça, c'était parfait. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Là, on a déjà une vue plutôt admirable du sol. Hein, j'ai envie de dire. Faut surtout pas que je tourne dans l'étoile d'araignée parce que sinon, je suis mal. C'est ce qu'on va faire. On va prendre un bout de collant. Voilà, on va prendre ça. Voilà, et on va le mettre à la place. Comme ça. Voilà, comme ça, pas de problème. Bon, bah écoutez, j'ai réussi à survivre au moins plus de 5 minutes limite. Ah non, pas encore. On n'y est pas encore, Furious. Tu vas pas vendre la peau de l'ours. Ah non, c'est mort. C'est pas encore fini. Eh ouais, non, mais là, il y a de la lave qui arrive jusque là. Ça me plaît pas beaucoup, ça. Ça me plaît pas beaucoup, hein. De la manière, je sais que j'ai pas le droit de péter les blocs, mais il faut bien que je vous montre quelque chose, parce que sinon, là, à la fin de la vidéo, vous allez voir le monde en bleu et en rouge. Hein. Là, je vous le dis. Là, ça, c'est clair et net, hein, tu vois, c'est... On va reposer ça. Ah, attends, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Oui, on peut mettre des toiles d'araignée. On va mettre une toile d'araignée, voilà, comme ça. Hein, comme ça, on pourra pas dire que hein, tout n'est pas bouché. Hein, voilà, et ce. Oh, oula, vous savez, what? Il y a un command block. Oh, oula, 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 ça y est, ma mort arrive. Allez, faut que je survive au moins 5 minutes. Allez, on y est presque. Attention, attention, et voilà, j'ai survécu au moins 5 minutes. C'est énorme. C'est énormissime. Attends, survivre 5 minutes là-dedans. Non mais c'est un miracle. C'est un fucking... Oh, on va pas aller là. Non, on va pas aller ici. Ça me plaît pas. Est-ce qu'il y a de la lave au-dessus? Non, il y a pas de lave. Oh, 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 les flammes de l'enfer arrivent. Ok, c'est... Oh, oh, non, j'ai pas le droit de l'éteindre. Je n'ai pas... Oh, ah, non, pas là. Où est-ce qu'on va se mettre? Bah là, je... Là, ça me paraît bien. Là, regarde, au milieu comme ça, là. Là, au milieu de tout, là, on est bien, là. Là, c'est la technique Iron Man. Attention, ça semble pas bon. Oula, oulala, oula, 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 ça brûle, l'armure brûle. Jarvis, fais quelque chose. Oh bah salut la pancarte. J'étais Jarvis, je voulais pas une pancarte, hein. Je voulais vraiment que tu me sauves la vie, tu vois mon pote. Oh oh, bon bah là c'est, là pour le coup je suis bien. Hein. Là je suis au top moumoute, là je survivrai jusqu'au dernier cube. C'est moi qui te le dis là, hors de question de survivre. Attends, on peut se mettre là. Ça a l'air de bien tenir. Ça a l'air de pas tenir du tout, ouais. Ça crame trop vite la laine! Spider-Man, pourquoi t'as pris de la laine en. Hein? Oula, attends, on va se mettre plutôt sur celui-là. Ouah! Oula, vous avez vu ça? Vous avez vu ce que je viens de faire? C'était magnifique. Franchement, c'était de. Oh, bah là, ça sent la fin, oui. Là, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous connaître. Et. Oh, j'ai survécu! Et voilà! Oh, j'ai fait un perfect. Alors là, plus de 5. Bah là, je peux survivre au moins
10 minutes si je veux. Et bah voilà, les amis. Oh, j'ai fait un perfect sur la première partie, quoi. Oh, c'est un perfect, en gros, c'est... Voilà, t'étais pas mort une seule fois, quoi. Ok, level 2. Enfin, tu peux pas du tout mourir. Aquaman, Plankton, SpongeBob. Oh, ouais, ouais, c'est bien Patrick. Je vais être Bob l'éponge. Qui vise la sous la mer. Hop là, c'est parti. Attention. On est dans... Oh, what the fuck. Alors, attendez, où est-ce qu'on lance le truc de lave? Start the lava. Ok, alors apparemment, donc, on est Patrick. Enfin, on est dans Patrick. Alors, attention. À la une, à la deux, à la trois. Ok, c'est parti. Alors, ouais, ouais. Donc, Patrick, je n'ai jamais exploré l'intérieur de ton corps. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? A Krabby Patty Form. D'accord, ok. C'est la formule du pâté de Krabs, c'est ça? Si je fais la bonne traduction. Ah, parce que je sais pas comment ça se dit en anglais, mais je dirais que c'est ça. Et c'est quoi ça? D'accord, c'est juste pour ouvrir la porte. Oui. Alors que, bon, on n'a pas besoin techniquement de boutons pour ouvrir cette porte. Ah oui, c'est une porte en bois, bon, il est mort. Donc attention, qu'est-ce qu'on a ici? Voyons voir un petit peu. Une épée. Bon, j'ai pas besoin, j'ai une épée en pierre, voyons. Même si ça me sert. Ah, c'est une spatule! Ah, d'accord. Keep trying to get the weapon. D'accord. Merci beaucoup. Un arbuste mort. Encore un arbuste mort. Oh, d'accord. Alors, essaye d'avoir l'arme. Alors, sans tricher. Ah, mais c'est un bâton blaze. Mais ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout. Donne-moi le... Non, tant pis. J'abandonne. On va remonter. Oula. Oula, la Patrick est en train de prendre feu. Oh, là, c'est mort. On peut plus passer. Ok, on va descendre par là. Bien, vraiment. Waouh. C'était quoi, ça? Ok, très bien. Donc, on va descendre. Oh, the fuck. C'est quoi, là? Une éponge? On descend ou pas? Bah, je crois qu'on a... C'est quoi, ça? A J-bar. D'accord, une barre de... La barre de fer. Non, mais Patrick, prends feu pas. Oh! Camouflage. ok, alors attends, je vais peut-être pas descendre là-dedans, si. Ah ouais, non, mais on va essayer. Waouh! Oh, je me suis brûlé. Désolé, mais tu es bloqué. Ah, mais non, mais décidément, les jambes dans ce niveau, c'est bloqué directement. Non, mais non! J'ai pas le droit d'être en contact avec la dirt en plus. C'est interdit. Ah, j'ai pas le droit de glitcher aussi par la même occasion. Mais là, je suis foutu là. Oh, mais je savais pas que les éponges ça brûlait. Moi, je voulais pas rester sur les éponges parce que je me suis dit, ouais, non, mais c'est un produit de shit, tu vois, les éponges. Ah, mais non, mais. What the fuck? Oh non. Ah, bah là, je suis mort. Ah, bah là, oui, je suis mort là. Là, là, y a plus de Patrick, y a plus rien là. Non, mais what? Oh là là. Y'a tout qui brûle. Absolument tout brûle, les amis. Oh, ah, 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 là, what? Non. Aïe. Aïe, 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 non, 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 mais pourtant je suis pas sur les flammes. What the... Oh la vache, oh ça fait mal. Oh ça fait mal, oh ça fait mal, oh oui, non, non, reste là, mets-toi là, mets-toi là, c'est bon, ça devrait aller, tu vas tenir, tu vas tenir, tu vas tenir, tu vas... Non. Oh dommage. Les amis, on a tenu moins de 3 minutes. Mais bon, hein, je suis quand même content par rapport à l'exploit que j'ai vu tout à l'heure, bien évidemment, hein, sur Spider-Man. Alors attention, un villageois, oh, yellow, forever alone. Lava kit. En fait, ah, j'allais dire, ouais, c'était quoi la lava kit? Mais ok, d'accord, donc enfin, lava bucket, oui, parce qu'on voyait pas la tête, what the fuck. Squid Pikachu, ok. Pikachu! Dr. Christos. Yellow, c'est quoi yellow? C'est quoi, c'est une tête jaune? Fais voir un petit peu. On peut pas marcher la tête. La tête ne. Attends, faut la prendre peut-être. Non, ça marche pas? Ok, bah tant pis. On va prendre Pikachu. Allez, on est Pikachu! On est Pikachu! Voilà, je suis Pikachu! Ok, c'est parti. On rentre là-dedans. Alors, ok, what the fuck. Ok, on va passer là. Le bleu ou le rouge. Start the lava flow. Ok. Donc attention. À la une, à la deux, à la trois. C'est parti. What the fuck. Ah ouais, carrément, genre, le bloc de commande, il se transforme en bloc de lava. Oh, c'est stylé. Ouais, d'accord. Donc on est dans un villageois. On a une balise, un bâton et un lit. Voilà. C'est digne d'une série de MacGyver, là, pour le coup, avec ça on va fabriquer un lance-patate, tu vois. Ouais, mais c'est aussi complexe que ça, l'intérieur d'un villageois. Et tu m'étonnes qu'ils savent pas parler. Enfin, correctement, je parle. Start the lava flow. Ah, ouais. Il faut lancer absolument tout, d'accord. Ok, alors, what the fuck. Alors, c'est un vrai labyrinthe, ici. Ah, les yeux. J'ai cru que j'allais être coincé. C'est quoi, là-dedans? Je vais voir un petit... Oh, il y a un labyrinthe. Jure. Hamburger. Oh ouais. Ça c'est bon ça. Enfin ça donne faim. Mais c'est bon ça. est-ce qu'on peut... Il y a quoi de l'autre côté? Attends, il y a autre chose dans les pirates. Est-ce que je prends une tête d'hamburger? Oh ouais.
Yeah. Je suis le nouveau Big Mac. Le Furious Mac. Alors attention, qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout. On va remonter les amis, qu'est-ce que vous en dites? On va poser des burgers. On va peut-être pas poser les burgers parce qu'après ça fait un peu cheater quand même. Alors, on va casser les têtes de burgers. Voilà, comme ça, c'est bon, c'est vrai. Ok, donc les flammes de l'enfer arrivent. Très bien, ils sont en train de consumer la tête du villageois. En fait, on est sur un villageois qui est sur un bûcher. Voilà, parce qu'il a trop parlé. Ok, bon, attention. Ou alors, il a volé de l'émeraude. Voilà, il a volé de l'émeraude parce que, regardez, même ses yeux, ils sont... Tu vois, je comprends pourquoi ils aiment bien les émeraudes. Regardez ses yeux, c'est... Direct, les yeux sont en émeraude, tu vois. What the fuck. Bon, alors, les flammes de l'enfer. Très bien. Est-ce qu'on peut passer... Wow. Ok, wow, what the fuck. On va passer là. On va passer là, on va se mettre là. On va pas aller dans le labyrinthe parce que si jamais on va dans le labyrinthe, on va se retrouver coincé avec la lave et ça va être horrible. Les amis, ça va être horrible. Et j'ai pas l'intention de... par contre, j'ai plus de bouffe. Ah ouais? Ah, je viens de remarquer, bah j'ai plus de nourriture. Oh non! Ah, mais c'est pas vrai, je vais manger quoi? Attends, au bout d'un moment, je pourrais même plus courir! Ce n'est pas juste! Attends, on peut grimper là, je pense. Hop! Ah bah, monter là! Attends, oula, oula, si on se met là. Ah, mais c'est pas bon là. Attends, ouais, tête au centre comme ça, là, ça me plaît bien ça. Ça, c'est une bonne idée, ça, Furious, que tu viens d'avoir là, une très bonne idée. Regarde, en plus, là, la tête du PNJ, elle brûle pas entièrement là. Ouais, parce que ça, c'est de l'argile. Donc, ça brûle pas! Donc on va se mettre sur de l'argile. Non, je déconne. Non, non, c'est de la triche, c'est de la triche. On va pas se mettre sur de l'argile, vous inquiétez pas pour ça les amis. On va se mettre là, ici on est bien. On est très bien, moi je pense. On peut largement survivre plus de 5 minutes. Ça c'est easy. Parce que là sa tête est trop grande. Ah là c'est clair, ça c'est net. Ça c'est clair et net, voilà. Ah donc, waouh, ça brûle bien. Et là les biens, il en est où là? Oh, ok. Et là, oh, pourquoi il y a un bloc invisible là? What the... Le kata, il a oublié un bloc. Attends, je vous jure, là, il y a un bloc invisible, hein. Non, mais what the fuck, il a oublié un bloc. Bon, c'est les choses qui arrivent. est-ce que je pourrais remonter à l'échelle ou pas? Parce que... Waouh, je sens que c'est pas bon, ça. On va remonter là. On va remonter. Ok, on va se mettre plutôt au centre, ici. Là, oh, non, non, non. On va se mettre là. Voilà, ici, il y a moyen de survivre. Il faut qu'on survive au moins 5 minutes. Après, plus de 5 minutes, à ce niveau-là, on peut dire que c'est limite, c'est fait. Hein, c'est torché. Ah, c'est tranquille, enfin voilà. Après, oh, j'ai pas vu le trou, attends, on va remonter. On va... Mais non, mais non, ce bloc il me gêne là, y'a triche. Ah. Ok, bien, 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 voilà. Voilà, c'est bon, ici on est bien. Ok, très, très bien. En fait, on va peut-être descendre. Ouais, on va peut-être descendre et se mettre là. Voilà, par contre, je peux plus courir. Donc on va faire gaffe, parce que là, je me sens un petit peu encerclé des flammes. Oh là, on est en train de brûler à mort là. Oh, wow. Ah, on va... What the fuck. Attends, je peux me mettre sur l'échelle là. Attends, comme ça, voilà. Ici on est bien. Ici on est en sécurité, je pense. Ici. Ça brûle là où je rêve là. Ah ouais, mais non, attends, je vais me finir par me casser la figure. Attends, on va se mettre là. On va se mettre là. Allez, les gens, et 50 secondes à tenir. 50 secondes. Ah, on va mettre dans les virates, voilà. Allez, on va se mettre là, voilà, ici on sera à l'abri. Ah bien, regarde, là on est bien. Allez, plus de 40 secondes. Et j'aurais battu le perfect. Enfin, j'aurais effectué un perfect, limite. Limite, hein, oui, parce que après, ça a rien à faire plus de 5 minutes. Wow. Attends, là-bas, ça brûle pas? Ah, ça a l'air de tenir là-bas. Là, on peut se mettre ici. Ouais, ça peut être... On va peut-être aller là-bas, vous savez quoi? On va se mettre là, regarde. Ici, ça brûle pas trop. Ici, ça brûle bien. Hein, tu vois, ici, c'est pas trop cuit, c'est saignant, tu vois, c'est pas trop cuit. Et attention, les amis, j'annonce bientôt la victoire. Attention, attention, attention. Ça va, ça brûle bien, mon attend. On attend, et attention, et voilà. Je peux me jeter dans le feu, parce que j'ai réussi à tenir plus de 5 minutes. C'était énorme, voilà. Et attention, on termine avec le level 4. Waouh. Et où le level 4? C'est le McDonald's! Oh, on va foutre le feu à McDonald's! Waouh! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Foxy, Bonnie? Oh! C'est Five Nights at Freddy's! Golem Kit. Link. Cactus. Spore. Bacon. Un beacon? Freddy. Oh, ouais! Moi, j'aime bien. Attends, Freddy, c'est. Ah, Foxy, le stylé. On va peut-être prendre, tiens, Freddy, tiens, allez, vas-y. On est un fou. Eh, yeah. Là, alors là, rien que cette tête-là, ça te donne des frissons. Ok, attention. Êtes-vous prêts, les amis?
on arrive dans la dernière épreuve. Et le McDonald's on the air. C'est ici qu'on passe les commandes, d'accord, très... C'est parti, alors attention, à la 1, à la 2, à la 3 et on met le feu au McDonald's. Oh, c'est génial, Apple Pie, Big Mac, Fright, oh c'est génial, ça donne trop faim. Ne regardez pas cette, cette vidéo à midi. Wow, ok, non, c'est pas bon ça. Ça, ça, waouh. Il y a plein de gens qui sont en train de manger en haut et ils mangent tous, bah des cakes en fait. C'est un Mac Café le bordel. Ok, est-ce qu'on peut... On n'a pas le droit de sortir. Très bien, alors le sol est en quoi? Ah, oh, il est en plancher. Oh, il y a un briquet là. On va pas utiliser le briquet. Wow. Il y a quoi là? Attends, je vais aller dans les cuisines. Drive. D'accord, c'est le drive ici, ok. Oh. Et là, il y a quoi? Du Pepsi. Mais ils servent pas de... Je crois qu'ils servent... Non, non, je vais pas là-dedans. Non, on va pas aller là-dedans, vous le sentez ce piège là? Là, y'a quoi? Oh, des frites! C'est excellent! Mais non, c'est des têtes, mais c'est trop bien fait! Des cheeseburgers et des Big Mac! Ok. Ouh! Ok, bon bah, je suis coincé dans la cuisine. Très bien. Génial! Super! Bah ouais, parce que là, forcément. Et là, y'a quoi là-dedans? Du Pepsi et de l'eau. D'accord. Ok, très bien. Bah, là, je vais faire comment là? Non mais, ouais, non mais, là, et là-dedans, y'a quoi, là-dedans? Ah, je suis sûr que vous avez envie d'aller regarder, mais, Bon, allez, on y va. Ok, d'accord. Ok, donc c'est marqué, salut. Attention. Hop, je veux sortir. Ah, mais je peux pas sortir. Oh non, je suis Keblo. Oh, y'a un truc, là. Oh, il y a un passage, genre. Oh. Et puis en fer. Enjoy. Oh. Il y a un passage. Ah. Oh, c'est énorme. Il y a un passage secret dans le truc. Non. Oh, c'est énorme, les gens. Oh, c'est génial. Oh, c'est complètement abusé. Oh, c'est complètement cheaté, c'est... C'est pas grave, ça a fait juste un petit trou. Wow, je viens de me brûler. Bon, c'est pas grave, mes frites au moins, on pourra pas dire qu'elles sont pas cuites. Ah bah, elles sont même cramées, tu vois. Ah ouais, mais je peux pas sortir, d'accord. Ok, non, mais je vais pas mourir quand même. Oh, mais non, mais déconne pas. Oh non. Ok, c'est bon. J'ai eu peur, je voulais pas brûler. Non, c'est bon. Non, mais là, le McDo, il est complètement cramé, là. Oh, what the fuck. Oh my god. Ah, attends, est-ce qu'on peut passer... Non, bah on va pas passer de l'autre côté. On est bien là. On est même très bien là. Oh, c'est génial. C'est quoi ça? Ok, c'est un carré noir. Il y a un bug. Il y a un bug graphique de Minecraft. Eh, mais là, je crois qu'on va encore bien s'en sortir, les gens. Non, parce que là, sans déconner, là, il y a rien qui brûle ici. Donc c'est bon signe. Bah oui. Attends, c'est carrément bon signe. C'est-à-dire que là, si rien ne brûle ici... Oh, les cuisines, elles, j'aurais été mort. Attends, je peux aller voir ici ou pas? Attends. Un peu là. Ah ouais. Oh, j'aurais été tellement mort. Ça brûle là-dedans. Eh, ça brûle bien. Ça brûle carrément bien même. Bon là apparemment ça va pas l'air de brûler. Bon écoutez c'est... Ouah aussi. Oh non. Hop c'est bon. Non c'est pas question de mourir. Hors de question. Non. Moi je veux faire les 5 minutes. C'est mort. Il faut tenir les 5 minutes. Sinon c'est la lose. C'est hors de question de mourir maintenant. Ah si ça y est ça commence à cramer là. Je sens les frites trop cuites. Vous les sentez vous aussi là, les frites trop cuites? Non, moi je les sens là. Attends, on va poser le burger, on va acheter. Oh non! Oh non, oh je suis dégueu. Oh là là, la loose! Oh, j'ai tenu pas loin de 4 minutes! Enfin, moins que 4 minutes. Oh. Ah, ça par contre, c'est honteux. Alors, ça par contre, c'est honteux. Et ben voilà, et ben les amis, c'est la loose. J'ai complètement perdu. Oh non! Mais bon, j'aurais quand même bien survécu, hein, surtout dans la partie Spider-Man, hein, bien évidemment, et la partie villageois, et McDonald's aussi également, hein, j'ai quand même plutôt bien tenu. Et ben voilà, et ben écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo Burning Hells, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, je vous invite également aussi à la tester par vous-même, et à me dire à travers les commentaires combien de temps vous avez survécu, si vous avez survécu à plus de 5 minutes dans chaque niveau, là je dis... Respect, franchement, respect total les amis. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Le pouce bleu fait toujours plaisir. Donc je vous remercie d'avance pour le pouce bleu. N'hésitez pas également aussi à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la partager. Merci infiniment les amis, c'était FloJumper. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.